Hey yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode accompagné de Hugo. Salut à toi. Salut. Donc aujourd'hui, on est parti pour le sixième ou septième épisode de roleplay. Moi je vous dis bon visionnage. Donc nous on va aller pailler vite fait ça. On va aller pailler vite fait les User animaux. joined your Oh allô? channel. Oh allô? Et bonjour, donc je voulais vous Bonjour. demander, comme j'étais venu chez mon ensilage la semaine dernière, est-ce que tu peux venir chez moi là? Bah Dans mon je de toute ensilage? manière là je finis de pailler et puis j'arrive. Ok, donc c'est juste à côté de ta ferme, c'est le champ 18, donc tu viens avec un tracteur et une benne. Ok bon bah je quand je vous verrai ben j'irai. De toute façon, c'est juste à côté de ta ferme. Donc voilà. Non ouais. Bon bah, à tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure. A plus. User left your channel. Ils ont besoin de quelqu'un pour aller faire l'ensilage. Que j'ai aille, je termine mon plateau, il me reste plus qu'un 4 bottes à mettre. Bah regarde les bottes qui restent dans le champ, tu me les ramènes au bout du champ et après je les prendrai comme ça. Bon. Peignant. Non mais c'est pas pour moi, c'est hors replay, c'est pour la vidéo. Alors, en vidéo, désolé, mais Oui, non mais c'est quand tu vois dur. la taille du champ, je veux bien les charger. Mais une fois qu'ils sont rangés au bout du champ. Alors. Par contre les bottes c'est un peu casse-gueule. Hein. Oh, comment je les ai mis? Le stayer est... Il est un peu sur le cul. Vraiment les bots à cause du coup de bug hors RP. Du coup de bug que j'ai eu, mon gars, ils étaient quand même bien et là, mon gars, ils sont tous traviole. Voilà. Bon, ils vont faire le choix à côté de C'est chez vraiment moi. nul en plus, un télescopique pour charger, sérieux. Ouais, si t'es pas content, hein. Moi, je pense que par la suite, on va acheter un petit case. Parce que Ouais. je crois qu'ils en ont mis un et qui va sortir l'année. Le mois prochain, je crois. Il est déjà sorti, mais il va bientôt arriver. Ouais, bah déjà, Dans faut notre qu'on région. finisse. Ouais, mais il est déjà sorti ailleurs. Pas chez nous. Oui, c'est qu'est-ce que je te dis? Il est sorti, mais il n'est pas arrivé encore chez nous. Bon. Ah bon, on va vite taper là. Ça va être chaud à passer là. Wow. Les bottes ont fini de se péter la gueule. Hop, on va payer ça. Tranquille. Ah, paille vraiment bien la pailleuse. Hein. Ah bon? Ah ouais. Je pense qu'on va peut-être lui acheter User parce que. joined your channel. Donc pense à arriver parce que là on arrive au champ là. Ouais, bah C'est juste à côté, je sais pas si tu nous vois mais. De toute manière, je vais être. On a un petit Ah, peu de par contre, route. votre pailleuse, elle bourre bien. Hein. Ah bah tant mieux. Donc c'est champ 18 hein. Je Juste pense à côté de vous la prendre, la pailleuse, déjà. nous. Ok, Faut ça que je la marche. Faut que je vois la mélangeuse. Et juste un truc comment dire donc on vit dans ma ferme, tu vois, quelle est ma ferme que tu m'avais déposée l'autre jour? Ouais, donc là où il y avait De toute façon, à bord j'ai des vidé la benne barbecues, en là. premier. J'ai. Ouais, juste à côté, de toute façon, j'ai vidé la benne en premier, donc tu verras dans quel silo faudra vider. Hein. Ouais. Ça Bon marche? bah j'arrive alors. Ok, ça marche. Bon bah, à tout à l'heure. Hein. Il y a peut-être besoin d'une masse pour tasser, non? Au cas où. Quand je passerai dessus. Non, j'ai un bulle. Bon, fais comme tu veux, Pierre, si ça t'arrange. Hein. De toute manière, je vais faire un tour sur mon masse maintenant. Ok, bon bah, je te laisse. Hein. Ouais. À plus. User left your channel. Important, on va le savoir arrière. Je vais attacher les câbles. Hop, 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 hop. Bon, ils sont arrivés au champ, je crois, apparemment. On va aller voir ça. Comment ça se passe bien de ton côté, autrement? Un petit peu. C'est plutôt que t'aurais dû mettre les plans sur le plateau. Là pour éviter que la paille glisse. Ah ouais.
Non mais ça c'est parce que les Attends, planches. mais j'ai bientôt de passer le plateau, là je termine de mettre mes bottes et Bah tu veux non, par là contre t'as mettre ton fini plateau. de charger le plat de décharger le fond ou pas? Bah la paille. T'as fini de tout remettre sur le plateau, vérifier autour du champ d'abord. Quoi? S'ils ont besoin, bah si il y a plus de paille. Ah si mon gars il en reste hein. Mais mes plateaux au fond par contre, pas au début. Comment ça? Regardez s'il reste en haut là. Ah ouais, mais il faudra que je vienne te voir pour ramener le plateau à la ferme pour que tu puisses décharger quoi. Ah voilà, oh merde putain il en reste. Bon attends je vais en prendre deux sur la fourche. Je vais l'appeler et je vais lui dire moi je dois m'absenter pour t'amener le plateau. Quoi? Je vais lui dire maman j'aurai besoin de m'absenter pour amener le plateau donc je lui dirai de je lui donnerai les clés du stayer et puis je lui dirai de faire gaffe à la boîte parce que la boîte a un peu du mal mais bah, je vais l'appeler tu sais quoi? Je vais l'appeler. Ouais. Oh, Je sais plus s'il est arrivé. Ouais, allô? Ouais, c'est pour te dire que tout à l'heure je vais devoir m'absenter parce que mon ouvrier est en train de ramasser la paille là donc je vais Ouais. devoir lui ramener le plateau à la ferme pour qu'il aille le vider. Donc Ouais. je te passerai les clés, je te Ouais, tu, ça dans marche. quand je m'arrêterai je laisserai les clés au bord dans, je les mettrai au bord dans la caisse à outils là, tu sais. Au Ok, bord. ça marche. Je laisserai la porte ouverte, tu te les mets pas sous contact par contre, ils seront juste en Salut. sous-siège là. Ils seront là les Ok. clés. Comme ça bah, tu vas pouvoir prendre fais gaffe parce que la boîte elle a un peu de mal parfois. Et comme quand j'allais l'aider, donc comme ça tu pourras changer ma veine. Ouais, et ce qu'on fait, c'est que quand je suis à 95%, je mets mes warnings. Ouais ça marche. À la plus. Même bah je te klaxonne quand j'y vais. Ok. Bon allez, à tantôt. Ouais, tantôt. Channel switched. Ouais, tu me dis quoi, le plateau est plein? Il est plein. Ok, bah je vais arriver. Et par contre, t'as une botte qui est à moitié de travers. Bon bah tu peux prendre des fourches avec toi. Attends, je vais en prendre quand Hop. même sur la fourche. Par contre, ton plateau, je crois qu'il a un petit problème. Oh. Je vais regarder. Par contre, sur la dernière ligne, j'ai mis 5 plateaux, 5 rouleaux. Hop, on va essayer de passer là au bord d'ensileuse. Hop. Dites de regarder le plateau, s'il te plaît, on dit d'avoir hors RP. Et là j'ai honte mais je sais pas pourquoi mais j'ai rien. Enfin, c'est pas C'est avec un rien, c'est rien, télescope. c'est rien. Bon, je prends le pick-up et j'arrive. Bon, tu m'entends toujours bien par l'oreillette parce que l'oreillette, j'ai l'impression qu'elle déconne un peu. Je sais pas si c'est le cas. Alors, maïs, c'est vraiment une bonne de variété. On va la ferme, chercher le pick-up. Tranquillou. Attends, je suis un peu enrhumé là. Bon, j'arrive, hein. Je vois le pick-up là, je suis au niveau de l'autre côté du pick-up. Aussi, il faut avoir un tracteur à chargeur. J'ai oublié d'emmener le télescopique. De toute manière, le télescopique est bien, tu sais, pour quand t'as besoin de faire des manœuvres pour changer le fumier et tout. Un Bon, j'arrive. tracteur, c'est bien. Ouais, pas pour changer le fumier, c'est pas top top. Sur la route, hein. Ah, plutôt, je crois que on va éviter de ranger la paille tout de suite. Pourquoi? Moi, je suis en ensilage et toi, t'es à la paille. À moins Non, que mais t'attaches on le va. ton Non, plat. non, mais non. À moins que t'approches le plateau. Esco. De toute manière, je vais ramener le plateau donc il faudra que. On finisse de charger ça donc.
On verra bien. Mais là, je dis, je pas, et moi, je dis, et moi, je annonce là. Je... Hop, on va arrêter le pick-up. Hop, on prend le fait. On va échanger un petit peu, c'est toi qui ramasse la paille. Je pense qu'on va faire, on va, je vais demander s'il n'a pas besoin de te ouvrir pour récupérer. T'as attaché les bottes? Je sais pas, regarde au cas où. Sérieux? Ouais, c'est bon. Je vais demander s'il a besoin d'un deuxième ouvrier pour l'ensilage justement. Ah oui, comme ça. Et puis la paille, comme ça, on arrête. On va, pour l'instant, je pense qu'on en a assez. On en a assez. Je pense. Bah l'autre, on peut la, stocker après, mais. Au pire, tu. Oh! En roleplay, j'ai eu un sacré coup de lag et je me suis cabané avec le plateau. Oh, j'ai eu un coup de lag. Bon, ellipse. Ouais, donc voilà. Petit bug, hein, désolé. Par contre, la grille, je sais où les ranger, par contre, les ballots. Paille. On va à côté des boss de, foin. Non. J'ai rangé là. On va rouler doucement avec le plateau de chargement parce que je connais ce plateau-là, donc... C'est là que j'ai peur. Je vais les mettre devant toi, devant l'hangar. Devant l'hangar à bas. Oh, c'est passé juste, mon gars. Je crois qu'ils ont besoin de moi dans silage. Bon, je te. Après, de toute manière, tu pourras gérer tout seul, du coup. Comme on leur a... ils ont fini de réparer leur. Leur néolande. Donc. Quoi Ils ont fini de réparer leur néolande, donc t'as le néolande pour toi. Tu me vois là? Ouais, mais quand tu les ranges le reste de, du temps, quand tu les ranges pour, les stocker quoi, tu les mets dans l'hangar à côté. Hein. Oh là, je les ai mis devant là. Je les ai mis là. On va essayer de remplir l'hangar. Bah non, mais là-bas, comme ça là-bas on fait celui à paille et à foin. Non. Bah si. Parce que là c'est pour ranger matos, ouais, il y a des cases spéciales pour. Matos de mes plots. Donc je te mets au commun le plateau. Pas le rond. Je te mets comme ça le plateau, attends. Ouais. C'est qui le pilote qui a fait tomber le machin? De quoi? C'est pas toi ça? Sans celui-là, je vais le mettre dans le. Celui-là... Ouais, attends. Celui-là, je vais le mettre là et on va le mettre au vache après. Voilà. Là, il peut être pas mal le plateau. Bon, faut que tu fasses gaffe, hein. Je te laisserai les délocs. Non, on va vite délocs. Ok. Ah là, c'est bon, ils sont délocs. Là, ton bruit non hop 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 on se faufile, oh on va tirer la tronche, hop Simon, je m'entends toujours par la CB. Ouais. Par contre, quand j'ai terminé le plateau, on va échanger. Moi, je pense avant, on va voir si j'ai besoin d'un autre ouvrier. Bah oui, au pire, faut prendre le petit Fiat. Ah oui, tu peux prendre le Fiat. Bien, au moins, l'ancilote, c'est sûr, elle va attendre. Non, non, mais par contre, j'ai que deux rangées de ballons. On a passé le temps.
Mais après tu vas le mettre. Attends, j'ai encore des bêtes. Après tu mets ça dans le hangar où je t'ai dit, hein, à côté. Quoi? Ouais. Le plateau? Non, 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 le plateau tu le laisses attaché au tracteur. Oui, mais là la paille là, j'en train de la mettre dorant. Et que dorant. Après on va stocker des. Oh là là, il sait pas conduire la. Eh, ça va pas là! Ah, c'est quoi ce bordel? Et qui sait pas conduire? Mais l'autre agriculteur là, oh, il arrive, oh, mais... il sait très bien que je suis encore regardé derrière pour voir l'ouvrier pour voir si ça passait avec la buse. Comme toi tu fais quand tu passes quand tu pars de l'Ancilouse. Ouais, lui il arrive en face de moi comme ça tranquille. C'est un pilote lui, Baptiste, attention. Ah, c'est un pilote. Coup de frein à main lui au virage. Oh, le coup de frein à main, mais tellement qu'il est cocu, bah, ça bénesse. Hein. Ouais. On tombe pas. Grâce à toi, Baptiste. Attends, je vais l'appeler. Pour voir s'il a besoin de deuxième chauffeur. Ouais, allô. Oh, allô. Ouais, c'est pour te demander. Bizarre, là, telleur, là, tu bah, je sais pas, là, j'étais, hey, comme tout le monde fait, j'étais en train de regarder derrière la bus pour voir ça passer. Et puis, ben. Je sais pas, toi, t'arrêtes tranquille comme ça. Ah oui, bah je sais pas, moi je croyais que t'allais tourner parce que c'est bon, hein. Je peux pas sortir du champ parce que sinon j'allais dans le talus. Pfff, y avait un arbre. Ah, t'as un pilote quand même, hein. Ça a juste cogné les pneus, donc au pire, hein. Donc ça aurait pas été de ma faute. Non. Ah bon, faut toujours regarder la bise comme tu disais. Mais... Ah bon, ça va, ouais, ça va pas être dégueu. Sinon, tu chercherais pas un autre ouvrier parce que sinon on ouvrirait là. Parce que là il y a de la paille encore au champ, mais je vais pas la prendre maintenant parce que. Faut ramener ça petit à petit parce que celle-là, c'est la paille plus humide, elle était au bord des arbres donc. Ah, mais en fait, tu vois, le problème c'est qu'il n'y a pas de rendement dans le champ. Enfin, on va voir quand tu vas arriver, mais à mon avis, deux bennes ça suffit quoi. Donc ouais, après, j'ai rien d'autre à faire pour lui. Ouais, si tu veux, tu peux vous faire, voulez... Et sinon, vous voulez bien que je vous loue une moissonneuse autrement? Sinon, je vous dis moissonner. Oh, au pire, ouais, il peut louer une moissonneuse. Que les moissonneuses, de toute façon, normalement, tu vas les voir quand tu vas arriver à la ferme, elles sont juste à l'entrée. Ah, bah, je vois. Tu as les barres de coupe qui sont accrochées. On a le silo, il a du mal hein, parce que je vois le roue qui saute. Hein. Ah bah de toute façon tu mets dans le silo que j'ai commencé. Ouais. Ça va, y a pas mal de rendement là, je vois avec des bennes. Ouais. Puis au pire sinon t'as qu'à de temps en temps t'as qu'à tasser avec le bulle. Enfin moi c'est ce que je vais faire parce que j'ai mis dans un côté du silo. Non mais ça va parce que j'ai avancé moi, j'ai ça a tassé. Je jouais doucement. Ouais. Bah oui, au pire ouais. Au pire sinon je tasserai tout seul, c'est pas grave. Bon, moi je repars de votre ferme. Oh bah au pire sinon tu peux dire à ton ouvrier de venir chercher la batteuse. Ouais, bah, je vais lui dire. À mon avis, il doit avoir les permis tout là, je pense. Bah ouais, j'ai regardé son diplôme. Ouais. Ah bah à mon avis, il est capable de connaître une batteuse. Ouais. Bon bah je vais lui en parler. Ok, ça marche. Allez, à toutes. Ouais, à toutes. Channel switched. Ouais. Ouais, tu veux pas les boissonner autrement le champ? Hein? Tu veux pas les moissonner autrement? Ils ont pas besoin d'autres, mais non, mais en fait, ah non, on a pas assez de paille. Hein? Mais le problème, elle a pas assez de paille là. Comment ça, on a trop de paille en fait. Ah ouais, non, mais la paille, tu la laisses dans le champ. On leur vendra à eux s'ils ont. Ah non, sérieux, ça me dit pas de moissonner. Ouais. Après, ils ont pas besoin d'un tasseur au pire. Je sais pas, je vais leur demander. À le piloter, à le piloter. Elle pilote ma gueule 70 avec le bateau. Voilà. Parce qu'il y a pas mieux sur pas pire. Bah autrement ce que tu veux faire c'est finir de charger la paille. Ah non mais là c'est bon là, j'ai au champ et j'ai bientôt terminé. Ouais, une fois que t'as fini de charger la paille, bah tu peux nourrir les animaux. J'ai déjà nourri. Ouais bah Ah au pire alors demande-leur s'ils ont besoin d'un tasseur. Ouais bah déjà charge ta paille. Au pire tu demandes si je peux prendre leur bulle. Bon, je sais pas où ils sont. Oh là 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 là. Oh mon dieu. Attends, j'ai dans leur convo. Ah non, non, bah non, c'est pas la peine. Pour l'instant, on finit de charger les bottes et après, tu iras quand t'auras besoin. Après. Quand t'auras besoin. Ah, attends, ils vont faire combien de bottes? Et t'as un plateau ou deux? Attends, bah non, t'es malade. 2, 3, 4. Ton plateau, on peut mettre pas loin une trentaine de bottes donc. 8. 8 balles, mais 8 à 2 de 4.
Ouais, 24 pas 24 24 ballons il me reste. Après ça, je l'appelle après quand j'ai terminé de charger mon plateau. Ils ont une 23 essieux, donc À quoi? ils ont une 23 essieux. Je vais l'appeler pour savoir s'il a bientôt plein. En même temps, je vais lui demander. Oh, allô? Ouais, bah attends, ouais, t'es bientôt on plein va là ou pas? partir. Bah ouais, mais on va pas remplir la benne, sinon tu vas t'ennuyer. Non, pire, tu veux pas que. Sinon, tu restes là, tu la remplis, je vais la vider, je la remplis, je vais la vider, moi, la mienne. Bah, je sais pas comme tu veux. Pas comme Mais de tu toute façon, là, veux. je vais en changer et mon ouvrier, je vais prendre l'enfileuse. Ouais, Bah, et bon, autrement, je sais t'as pas. besoin d'un tasseur parce qu'il veut, il veut pas trop les morceaux non Bah, plus. t'inquiète, de toute façon, il y a le bulle qui est. Ouais, mais est-ce que t'as Qui besoin d'un a tasseur ras le parce que sinon silo. il s'est proposé de tasser donc. Ah, il motionne pas? Non, non, il. Pourquoi? Ah bon? Bah, si tu veux alors. Ouais. Bah, vas-y, attends, je dis à. Non, je mets. Hop, voilà. Vas-y, le jour, on t'arrête. Tu vas prendre le T8. Ouais. Ouais, bon, moi je vous laisse. Tu vas vider la benne? Channel switched. Ouais. Ouais, il a dit pour le tassage si tu veux. Moi j'aurais quelque chose à faire et bon, tu leur demandais si je peux prendre leur bulle. Ouais. Peu. Ah ouais, tu peux. Mais non, il dit au pire, il y a le bulle. Okay. Ah, qu'est-ce que je t'ai dit? Je peux leur prendre leur bulle. Ouais. Comme nous, le TSCO il est chiant en plus. Il faut le ramener le TSCO à leur ferme. Ouais. C'est bon, les aides pour l'incendie là, j'ai pas besoin de mettre du matos là. On a fait le plein ce Et matin parce que. nous, heureusement, nous qu'on a eu quand même pas mal de rendement à notre champ. C'est quand même petit. C'est combien le champ qu'on a ensilé? Une question. Hein? Clément? Je sais pas, on devait faire. 25 hectares. Moi j'ai regardé ça. C'était le champ 27? 2 hectares 56. Ouais. 2 hectares et 56 arts. Mais ça va, Marcel! Bien la petite ancienne. Ouais, c'est la là pour moi. As-tu vu Clément la nouvelle ensileuse qui va bientôt arriver chez nous? Non. Mieux de land. Ah, peut-être. Ah ouais, L'as pas vu? c'est là, ouais, c'est un monstre, celle-là. Je crois même si ils ont pas assez d'argent, la Kuma, on va la prendre. Bâtisse, je crois on doit la prendre à deux. On doit la prendre à deux. Oh, mais elle est bien. On a quoi en Kuma avec eux là pour l'instant? J'ai l'impression qu'il y a tout à eux, mais je peux leur louer quoi. Je peux leur louer tout le Non, matos. la moissonneuse normalement c'était à nous. C'est un Kuma, mais il a tout récupéré.
Ah mais normalement même si Eric en gros, c'est normalement. Je peux louer tout ce que je veux. Mais normalement si je veux l'acheter à deux, mais même si normalement c'est tout à moins qu'il t'a payé là, pour qu'il prenne sa part. Ah oui mais il doit me rembourser hein, normalement. Ah ouais c'est pour ça. Il doit me rembourser la moitié de ce que j'ai payé avec lui. Au moment ça peut-être on pourra s'acheter un nouveau tracteur à chargeur. Bah après soit il me rembourse, soit il me fait ça dépend de combien il doit me rembourser. Après avec ce qu'il doit me rembourser, soit on achète la ferme, ça dépend mais il doit me rembourser. Après s'il y a plus de ce qu'il doit me rembourser, on achète la. On lui dit de garder l'argent, on nous donne la ferme avec le matos, et puis après s'il nous reste un peu de sous, on achète un tracteur. Pour la ferme elle coûte pas très 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 cher. Non elle a coûté plus de 150 000 euros, un truc du style. Avec les bêtes compris quoi. Mais même pas, en plus il a récupéré ses champs en labour. Ouais, 190 000, ouais, je sais pas, 200 000, ouais. Faut que je sais, lui. En plus, on a une mélangeuse, en plus, c'est une automotrice. Ah, je vais l'appeler pour savoir, du coup. Quand faut qu'on voit ça. Bon, je l'appelle. Oh, allô. Oh, allô. Ouais, je suis en train de parler avec mon ouvrier, là. Du coup, pour parler de la Cuma, du coup, on t'a repris la ferme. Tu sais, comme je t'avais aidé à payer le matos, du coup. Ce qu'on peut faire, je sais pas combien tu voulais faire la ferme. La ferme quand oui, la ferme, ouais. Ah, parce que là, j'en parle à mon ouvrier, parce que c'est vrai que. Enfin, je pourrais la vendre, parce que ça me sert à rien. Bah, j'avais vu avec le. Comment ça s'appelle déjà le. Putain, je perds mes mots. Le notaire, là. Et il me disait qu'il fallait vendre ça à peu près 100 000 euros. 150 000 euros. Ouais, entre 100 et 150 000 euros, c'est ce que je pensais. Si je te la prends à 105, ouais, 135. Parce que là, faut et après. T'as les bestioles, donc je pense qu'on va rajouter un peu de prix, tu vois. Je te la prends pour 155 000 euros. Il y a 100 cochons, il y a 100 veaux et il y a 200 poulets. Ouais, et du coup, parce que là, il y en a quand même pour pas loin de. Si j'avais vu ça avec lui, il m'avait dit le notaire avec les bestioles qui restent, il y en aura au moins pour 40 000 euros. Donc on a rajouté, on va dire 180, je te fais 180 000 euros tout ça. Ouais. On te va? Ouais mais 180 000 euros. Et il y a les animaux aussi. Ouais avec, ouais hein. Ouais donc et le du coup du coup après, là en comptant la boucherie pour pas qu'ils viennent enfin l'abattoir pour qu'ils viennent chercher les bestioles. Ouais par contre parce que là il y a combien à peu près que tu dois me rembourser autrement pour les machines. Et tu dois me rembourser à peu près pour l'achat des machines comme je te les laisse donc quelle machine? Bah les machines comme on avait payé la Cuma là, je te les laisse donc oui. C'est ce que tu fais ce qu'on fait, on si fait un échange le matos que je dois te vendre là tu sais pour nourrir les animaux. Ouais bah oui attends il y avait parce qu'il y a combien là on a pour si, combien d'argent si je me trompe pas mes calculs je te fais la ferme à 140 000 euros et je te fais gratuit le matos que je t'ai donné pour l'élevage. Ouais, et, du coup, il me resterait. Bah, du coup, ça, t'as plus besoin. 140 000 euros à payer. En bas des 140 000. Et avant, il t'en restait 250 000, voire 300 000. Donc... Du coup, comment on fait je te paye rien et tu me donnes tout gratuit. Bah, je te laisse une semaine. Pour payer. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est que tu me laisses la ferme, tu me la donnes, avec le matos. Et puis, bah, l'argent, t'as pas besoin de me la rembourser. De l'argent pour toi. Oh mais tu me dois de l'argent là. Oui je te dois de l'argent pour les locations et tout ouais. Mais ça ça à part ça. Moi je parle de la ferme et de ce que je t'ai emprunté par contre, pendant une semaine. Plein, là. Tu veux bientôt être plein là. Ah ouais ouais c'est bon je suis plein. Ok. Mais ce qu'on peut faire c'est tu me fais la ferme et le matos. Tu me le donc on va chez le notaire et tout, on voit ça. Et après, en partant du chez notaire, donc en gros, tu me donnes la ferme avec le matos. Et l'argent que tu me dois pour les véhicules qu'on a acheté à deux pour la Cuma, je te les laisse. Ouais. Et puis je paye rien pour l'argent de la Cuma. Après, pour ce que je t'ai loué, on verra ça après. Et déjà, tu peux m'enlever un truc de l'ancileuse de louage parce que il me reste un peu de sous de côté. Donc il devait me rester. À mon avis, là, je pense que je te donne la ferme et le matos. Tu le payes pas et puis je pense qu'on est quitte. Hein.
Ouais, donc faut que j'en aille voir chez le notaire là, ce soir. Ouais. Donc tu l'appelles ou je l'appelle? Quand tu veux, vas-y, appelle-le. Bon, je te laisse l'appeler peut-être parce que c'est ton chef de la ferme, donc t'as encore la propriété de la ferme, donc je te laisse l'appeler. Ouais. Ah bah je l'appelle un soir. Ouais, mais de toute manière il lui ferme à quelle heure? 20h. Ouais, 20h normalement. On irait voir ça. Ah bah ça marche. Ah bon bah à soir. Ouais, à soir. Channel switched. Ouais. Bon, du coup j'ai réussi à négocier. Il nous fait il me rembourse pas pour le matos. Et il nous fait la ferme et son matos que je lui ai emprunté pendant une semaine gratuit. Ça vaut le coup. Quoi? Il nous donne et on va chez le notaire ce soir à 20h là. Et il nous échange la ferme. Et comme ça il a pas besoin de me rembourser le matos. L'argent qu'il me doit pour le matos. De la Cuba. Et te parles quoi d'une semaine gratuite? Non mais ça c'est parce qu'il me prêtait une semaine, du coup bah il me donne tout le matos qu'il m'avait ce que j'avais été voir pour lui avec lui là, pour son mélangeuse et tout. Il me donne ça plus ta ferme et il a pas besoin de me rembourser de ce qu'il a pour les ensileuses. Ah oui, la ensileuse et la moissonneuse en climat. Et plus les semoirs en plus. Non mais ça c'est à louer après, ça c'est à louer. Non mais quand il avait encore sa ferme. Oui non mais c'est pour ça il a pas besoin de me rembourser la moitié. Il a pas besoin de me rembourser la moitié. Bon, attends, mais moi je l'appelle pour lui savoir il se fout les clés du bulle. J'arrive. Ouais. User left your channel. Bon, on est reparti pour nos champs. User joined your channel. Ouais. Ouais. Ils sont ralentis. Ouais, du coup je pense qu'on a arrêté la vidéo là. Moi, on pourrait dans le canal tout ensemble. J'arrête là? Ouais, attends. Ouais, ça va encore. Oh non! La grille? Quoi? Petit problème? Non! Attends, coupe, coupe! Oh la putain! Bon, on l'a fait une fois chacun! Hein? Ouais, vas-y, je saute dans le stair. Elle décroche pas le... Attends, j'essaie. Non mais ça j'ai fait dans le stair. Ok bah nous les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah moi je vous dis, n'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux, les pages Facebook et tout dans la description. Bah, je vous dis ciao et à la prochaine. Ouais, ciao.